لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans cette quatrième partie de notre leçon Triangle et médiatrice, on va voir le paragraphe numéro 3, médiatrice d'un triangle, à partir de l'activité 3, passe et contient. Et on va corriger les exercices 12 et 13, passe 56. Donc, avant de corriger ou bien de traiter l'activité 3, page 51, on va d'abord définir la médiatrice d'un triangle. La médiatrice d'un triangle est la médiatrice de l'un de ses côtés. Yani, quand on met la médiatrice, ou la médiatrice de l'un des côtés, yani, il y a un triangle. ملي كناخذو هاد لو كوتي هاد الضلع و تنرسمو لا ميدياتريس يعني هاد لا دغوات كي باس باغ سون ميليو اي كي اي بيربونديكولير هادي هي اون لابيل هادي سيتون ميدياتريس هادي كتسمى ميدياتريس إل يا اون اوتر ميدياتريس ها فوالا كاينه هنا بطبيعة الحال اون اوتيليز لو كومبا اون افيو سا دون l'inégalité triangulaire. Faites attention, hein. La médiatrice fait là la partie 3. Donc la partie 3, on a vu comment on a de cette leçon, il y a juste tel itemen la partie 3, la vidéo 3, on a vu comment on trace ou bien on construit la médiatrice. C'est là qu'on utilise le compas et la règle, bien sûr. Donc, Hadi, c'est une médiatrice. On a trois médiatrices. Elle n'a la tête les médiatrices. Hadi, la droite, c'est une médiatrice. Maintenant, elle s'appelle la médiatrice du triangle. Vous savez? C'est la médiatrice de l'un de ses côtés, tout simplement. Maintenant, on passe à l'activité 3. Voici l'activité 3. Voici les questions. Tracer un triangle, voilà. Ah, voilà le triangle ABC. Construire D1 la médiatrice de AB. Avec Omranirsunta, la médiatrice de AB, c'est une droite qui passe par le milieu. Et la médiatrice D1, c'est mettre D1. Ou D2. D2, c'est quoi la médiatrice de AC? La médiatrice de AC, elle passe par le milieu de AC et qui est perpendiculaire. Ces deux droites, D1 et D2, soit ont le point d'intersection. Le point d'intersection ou نقطة التقاطع فين كيتلاقاو او voilà le point d'intersection de ces deux droites. Maintenant je vais expliquer les réponses. Montrer que OA est égal à OB est égal à OC. Donc j'espère que vous allez bien sûr vers un petit effort avec comme دائما كنصحكم دائما وابدا كنصحكم انكم ديروا un effort. Là, les mathématiques ne s'apprennent pas dans les livres. L'haqiqa, là, les maths, c'est pas une information. Là, ماشي واحد المعلومه تنعطي عليك وتعقل عليها. Les mathématiques se pratiquent. Là, quand pratiquer الرياضيات بحال الرياضه. الا ما كديرش رياضه راه ما غاديش تكون سبورتيف. كذلك الرياضيات الا ما كنخدموش التمارين راه ما غاديش حنا التمارين حنا il faut faire des efforts, un effort, un grand effort. ماشي غير شويه نخدم ونخدم ونخدم. صافي. Donc regarde, donc Hadi Brisbane 1 et 2, c'est les voilà, on m'a fait la figure, construire D1 et D2, les médiatrices. La question 3, la question 3, on veut montrer OA est égal à OB est égal à OC. Regardez bien, la première question, petit a, Galikasi dit O appartient à D1, médiatrice de AB. Pourquoi? D'ailleurs, O c'est l'intersection de D1 et D2, donc. O appartient, c'est-à-dire qu'on se met appartient, c'est-à-dire qu'il y a E. Il y a, il y a ma amour comme d'être sûre, qu'il y a le symbole qu'on se met, ou la mot bouddhiste que tu vois, dire appartient. Ça signifie appartient. A, D1. Donc, O, KNF, D1. Médiatrice de AB. Donc, la partie 3. Alors, si O appartient à la médiatrice de AB, alors on peut dire que OA est égal à OB. Donc, il y a de la distance. OA, Hadi, Ketsawi, Hadi. C'est une propriété de la médiatrice. Tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant
des extrémités de ce segment. كل نقطة كتنتمي la médiatrice راه كتكون بعيدة بنفس المسافة هذا لو بوان كذلك etc. Et بالنسبة لو ميليو دو AB c'est un cas particulier. Donc OA est égal à OB. Voilà, هذه نطيتها la relation 1. On utilise souvent ce genre de raisonnement. Donc هذه سميتها 1. O appartient à T2. O كاين في T2 هي ثاني O. لأن قال لنا l'intersection يعني كاين في التلاقي ديالهم فين كيتلاقاو. Donc on peut dire aussi puisque cela appartient à la médiatrice de BC de je m'excuse normalement de BC. Donc غادي نقولوا AB donc je peux ممكن نقلب كاع لي بوان ماشي مشكل غندير هنا AB باش يجينا داكشي هو هذاك دونك جو ميكسكوز AB صافي AB دونك ها هو تري بيان هادي دابا دي دو سي لا ميدياتريس دو بي سي هادي سي لا ميدياتريس دو بي سي جو ميكسكوز دونك ها هو دي ان لا ميدياتريس دو AB دونك اون ا بارلي دو دي ان قلنا او ابارتيان دي ان هي عطاتنا او ا تساوي ايكوال او بي او ابارتيان دي دو ها هي دي دو la médiatrice de BC. Donc la même chose, on va dire que OP, hey, là de la distance, OP, qu'est-ce que OC. Là, toi, OP, tu égal à OC. Donc, NA, OA, d'après la relation 1, regardez ce que j'ai écrit, de 1 et 2, de la relation 1 et 2, on déduit que, quoi, OA est égal à OB, OB est égal à OC. Donc, on peut dire que OA égale à OB égale à OC, tout simplement. Maintenant, en dessous, le B. La question B. On déduit que O est un point de la médiatrice de AC. Qu'est-ce qu'on sait? Pour montrer que qu'un point appartient à l'immédiatrice, c'est très très important. Mliket Vrit Bin, O est un point de la médiatrice d'un segment. Il suffit de montrer que il a la même distance. Ou il est équidistant. Il y a une qui est de 9 semaines. Maintenant, A ou C, le point, Khasukun. Un de la même distance de A et de C. Donc, je voulais vous montrer. Vous voulez montrer que O est un point de la médiatrice de AC. Donc, il suffit de montrer que OA est égal à OC. Ouais, cher AC, il est vérifié. On a OA est égal à OC d'après un chaîne accepté, d'après 3A. Had la question 3A. On a OA est égal à OB est égal à OC. Donc, il y a OA est égal à OC. Il y a accepté. ملي كنقولوا او ا تيغالا او سي راه خصكم ترجعوا لا بارتي 3 راه درت فيها هادشي سي او ا تيغالا او سي اون بو دي دوير كو او ايت ان بوين دو لا ميدياتريس دو ا سي تو سامبلومون الا عندنا واحد لو سيغمون ياك ها هو هادي راه مهمه جدا باش نفصل في هادشي ان سيغمون الا عندكم ان بوين كي لا لا ميم ديستونس كي تيكوي ديستون دي زيكستريميتي دو سو سيغمون الوغ هاد لو بوين هذا il appartient à la médiatrice tout simplement c'est très important la remarque de la propriété c'est une propriété de la médiatrice maintenant voilà le résumé donc ce qu'il faut retenir nous voilà excusez-moi d'abord ici donc je m'excuse donc on va regarder maintenant Haouma ce qu'on peut dire que les médiatrices qu'on peut maintenant qu'est-ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que O appartient aussi à la médiatrice. Donc O est un point que, ou bien les médiatrices sont tous concurrentes. Les médiatrices des trois côtés d'un triangle sont concurrentes. C'est ça ce qu'on a vu maintenant. Les médiatrices de A, B et B, C. Ou O, il appartient aussi à l'Qina OA est égal à OC, yani il appartient à la médiatrice de AC. Donc, les médiatrices d'un segment, à partir d'aujourd'hui, donc les médiatrices d'un segment, d'un triangle, je m'excuse, les médiatrices d'un triangle sont tous concurrentes en un point. Had le point, regardez, OC est égal à OA est égal à OB, il vérifie, il dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Had O, on l'appelle le centre du cercle circonscrit. يعني الدائرة اللي كتحيط بالمثلث دونك او سي تيغال دونك هنا هي هادي اون ان بوين ابلي سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريونغل صحيح دونك سكيل فور اوتينيغ مانتنون سي سيت بروبريتي لا دونك لي ميدياتريس دان سيغمون دان تريونغل سون كونكورونت اون ان بوين كي اي كون ابل
le centre du cercle circonscrit. Hadou, ce sont des remarques. Pour déterminer le centre du cercle circonscrit en triangle, il y a le triangle qui passe par les sommets d'un triangle, le centre, le cercle circonscrit. Il passe par les sommets. Il suffit, donc d'après la propriété, donc on va construire deux médiatrices. Le point où est le centre du cercle circonscrit. Il suffit à voir de construire les médiatrices de deux côtés, de ces côtés, juste les côtés, n'importe, hein, le moyen qu'on juge. Quand le triangle a un angle obtus, c'est une remarque, il a le triangle a un angle obtus, il y a l'angle qui est obtus, il y a supérieur, من 90 درجة يعني أقول له محصور بين 90 و 180 صافي محصور بين 90 و 100 و نو 180 فوالا 90 و 180 دونك هنا دونك الا عنده ان اونغل يعني كيكون زاويه كتسميه منفرجه هي هذه ان اونغل اوبتي هي الزاويه منفرجه بالعربيه صافي كنتو كتسواها زاويه منفرجه دونك هنا كيولي لو سونتر دي سيركل سيركونسكري تيكون على برا او يعني ها هو دي سيركل ا الاكستيريور دي تريانغل لو سونتر دي سيركل هذا السونتر هذا المركز ديال الدائره تيكون على برا صافي و الا كان العكس لا الا عندنا لو تريانغل داير بحال هاك ما عنده اوكان اونغل يعني اوبتي ما عندوش زاويه منفرجه تيكون عندنا لو سونتر ا لانتي ا لانتيغيور هادي هي سو سون دي رمارك سي تو. Maintenant, on passe à l'exercice 12. Où la katla hdora, temrin 12, d'abord, l'it kan dir safha. Yani safha, dia les exercices, t'en dira kam, la bèche koun mjmoua, m'li katlqa exercice page, yani ga, tous les exercices dia la dik la page, dra, m'diurin fa dik la page. Ça fait? Hadora, le mouim, hadora, chatou liya mena adek la khur, mena adek la partie loula, ou la kin daba, à partir de maintenant, toujours, les exercices, la partie d'exercice qu'est-ce qu'on met là la leçon, c'est la leçon ou la leçon avec un ras comme tartane ou la leçon, il a fait la leçon là, tous les exercices. Donc on passe à l'exercice 12. Voilà l'exercice 12. Donc, retrouver le cercle de ce, le centre de ce cercle, le centre de ce cercle, le cercle, il faut retrouver son centre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Essayez de répondre, s'il vous plaît. Haoulout Jobo, moi je vais faire je vais corriger, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer un triangle. Donc, Nabeshin Jobo, Radin Natabro, laissez les points, n'importe. Ouraïatiouna Meda, Adiatiouna, un triangle. Voilà, ABC, n'importe. Moi, il me connaît le lettre. ABC, ABC. Le cercle C, c'est quoi? Oh, c'est le cercle circonscrit. Je n'ai pas cercle circonscrit au triangle. Yani, le cercle, il passe par les. Ce cercle, il passe par les sommets. Ou alors la propriété. Que dit la propriété? Pour le cercle, le centre du cercle circonscrit, c'est l'intersection des médiatrices. Donc le merkez dial c'est le centre dial A ou l'intersection des médiatrices. Donc on rassemble la médiatrice de AC. On rassemble la médiatrice de AB ou la BC ma AB, c'est pareil. Le mot juge. Deux. Donc, regarde, on a le point O, on le point O, on a le cercle, le centre de ce cercle. Maintenant, on passe à notre exercice 13. L'exercice 13, c'est très très important. ABC est un triangle. Voilà le triangle ABC. Et c'est son cercle circonscrit. Je n'ai pas le cercle circonscrit. Ou le cercle qui passe par ses sommets. Il y a une dérivée qui est circonscrit. De centre O. De centre O. Soit M le milieu de BC. M le milieu de BC. Faire une figure. À la figure. Montrer que OM est perpendiculaire à BC. On va montrer que OM
il est perpendiculaire, regardez, had OM perpendiculaire à BC. Yani had la droite est perpendiculaire à BC. Moi, je vais montrer. Alors, radit ben ikou maintenant OM radit kun wa la médiatrice même. Donc, je vais montrer que OM est la médiatrice de BC. Et si j'arrive à montrer que OM est la médiatrice de BC, donc radit kun perpendiculaire. Savez? Regardez. La médiatrice de BC passe par O. Pourquoi? Voilà. La médiatrice de BC, il passe par O. Pourquoi? Parce que O, car O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Le cercle du cercle est circonscrit. Mais l'eau, c'est l'intersection des médiatrices. Adjilishfna. Had au débat ou à l'intersection des médiatrices de ce triangle ABC. Donc la médiatrice de BC, elle doit passer par O. Ça fait. Ou la médiatrice de AC, c'est-à-dire deuxièmement O. La médiatrice de AB, BC. On s'intéresse à BC. Donc Radin Gouloubi, la médiatrice de BC passe par O. C'est le résultat. Ça fait. Et milieu de BC. Il n'y a pas d'hypothèse. Attends, Arina. Qu'est-ce qu'on sait sur la médiatrice de BC? Il passe par son milieu. Par définition, la médiatrice d'un segment, c'est quoi? C'est la droite qui passe, qui est perpendiculaire à un segment et qui passe par son milieu. Il y a une catcon perpendiculaire et il passe par le milieu de ce segment. Donc, Radingoulou, M, milieu de BC. Donc, la médiatrice de BC doit passer par M, a dit 2. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Radin Jmoued, chez 2, 1 et 2. La médiatrice de BC passe par O, la médiatrice de BC passe par M. Donc, la médiatrice, il passe par O et passe par M. Donc, c'est OM. Donc, on peut dire 2, 1 et 2. OM, c'est bien la médiatrice. OM. Et la médiatrice, on peut dire, et la médiatrice, de quoi? De BC. Et la médiatrice de BC, il doit être perpendiculaire à BC. On a DO, ou AMINO, l'arabia, DO, OM, et perpendiculaire à BC. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon triangle et médiatrice, on va corriger les exercices de la page 57. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.